Et bien salut à tous, c'est Starming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vlog moisson de colza du mai 21. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Et à partager la vidéo, voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Je voulais tout d'abord vous remercier pour les 500 abonnés, voilà. Voilà, actuellement on est à 508 abonnés, voilà. Donc vraiment merci beaucoup, ça fait super plaisir. C'est vraiment un truc de fou. Donc voilà. Je vous mets quelques plans et puis on se retrouve tout simplement dans le tracteur juste après, voilà. Et puis je vais vous expliquer un petit peu. J'avais totalement oublié de dire plusieurs choses sur la moissonneuse. Donc je vais plus faire en détail. Et puis comme ça, on sera plutôt bien. Et puis je vais essayer de faire des plans vraiment super stylés avec le coucher de soleil qui va bientôt tomber. Donc ça va être plutôt cool. Donc voilà, donc on se retrouve juste après. De faire la fourrière du haut, donc ça c'est donc là il va avoir fini, donc là il reste plus qu'au bout à faire et après c'est bon, la fourrière du haut est terminée. On vient de mettre la première trémie dans la benne, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va aller voir vite fait ce qu'il y a dedans. Le problème c'est que là je suis en contre-jour, donc j'espère que vous me voyez bien. Normalement je pense que ça va. Bon, je vais essayer de pas me casser la figure. Hop, voilà. Bon, déjà la benne a quand même pas mal rempli. Hein. Ah, je pense qu'il y a au moins encore, ouais, encore peut-être, ouais, peut-être 3 trimis encore un petit peu et après je pense que c'est bon. Après, ce sera. Oh, je crois que l'échelle va se défaire, hein, c'est bon. Donc, ouais, encore 3 trimis, puis c'est bon. Hein. Après, la benne sera pleine. Donc là, mon père est parti chercher l'autre, la deuxième benne. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, c'est vrai que le coucher de soleil qui arrive. Ça c'est plutôt cool, je pense faire des super plans. Donc voilà. Donc là je suis avec le Massé 240 chevaux, donc le 7724. On sait qu'en ce moment vous le voyez quand même pas mal dans les vlogs, ça c'est plutôt cool. Et puis la moissonneuse, j'avais tout simplement oublié de vous le dire dans le vlog de moisson d'escourgeon 2021. Je mets ici là, mais n'hésitez pas aussi. Allez checker, mais tout simplement j'avais tout simplement oublié de vous dire qu'il y avait que la barre de coupe faisait 7,70 m. On sait que la barre de coupe elle est quand même grande, elle est quand même super grande. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis c'est vrai que ça prend quand même large et ça c'est quand même super super bien quoi. Donc voilà, bon bah je vais vous faire je vais vous basculer sur des plans que j'ai fait au drone et à la caméra. Donc pour l'instant je pense que ce sera plutôt les plans avec la GoPro. Allez, c'est parti. Donc là le soleil commence à vraiment se coucher, donc je vais essayer de faire de tout ce que je peux pour faire des plans vraiment stylés, parce que c'est vrai que heureusement qu'il y a mon père qui conduit le tracteur, comme ça je peux faire des plans au drone et avec la GoPro.
ici, voilà. Donc c'est vrai que vous avez pu voir les plans juste avant. C'est vrai que c'est plutôt cool. Je me suis approché quand même au maximum de la moissonneuse. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, donc, tout simplement, là, il a fait le tour du champ. Donc, on va moissonner ce carré-là. Et puis, l'autre, on le verra pour plus tard. Peut-être demain, on verra bien. C'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment avec la pluie. C'est vrai que c'est vraiment très, très, très compliqué. C'est vrai que là, ce champ-là, il fait 25 hectares. Environ, ouais, 22, 25. Bon, ça, c'est quand même un champ quand même très, très, très grand. Normalement, j'ai peut-être fait des plans. Donc là, je vous mets tout de suite les plans du champ, de la surface en hauteur. Et c'est vrai qu'il fait quand même un très, très, très gros champ. Après, on a un deuxième champ plus loin. Mais ça, on verra vraiment par la suite, parce que c'est vrai qu'avec la pluie, c'est très, très, très compliqué. Voilà. Donc voilà. Bon, bah, je vous mets des plans que j'avais fait au drone. Et puis voilà quoi, bah, je pense pas que ce vlog va durer quand même longtemps, je pense pas, entre 10 et 15 minutes. C'est vrai que là, avec le soleil qui se couche très très, très vite, bah, on peut pratiquement rien faire. Là on peut voir, si vous le voyez, là voilà, on voit pratiquement plus de soleil. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai vu j'ai fait un plan en drone là, c'est incroyable, vraiment. On voit carrément les éoliennes et puis le coucher de soleil, c'est vraiment stylé, voilà. Donc voilà, bon bah, on continue et puis bah... On se retrouve après, voilà. C'est vrai que là, il est actuellement 21h30, voilà. 21h30. Donc c'est vrai que ça avance quand même plutôt vite. Ça, c'est vraiment... bah ouais, c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà. Moi, c'est parti. Ah, une moissonneuse qui passe là-bas. Bon, je pense pas que vous le voyez avec la caméra, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Et puis après, je pense qu'on va peut-être manger, voilà. Je vais manger mon sandwich. Donc voilà, on se retrouvera juste après pour manger, on verra bien. Voilà. Donc voilà. L'Ecolza 2021, vous avez pu voir sur les plans que j'ai fait juste avant, très belle moissonneuse, vraiment une super moissonneuse. Il y a plein de poussière, je vous fais voir un peu la cabine dedans. La benne va être remplie. Donc voilà, c'était la dernière trimie. Donc là, on voit les phares. C'est vrai que ça fait un super rendu avec la GoPro. Je suis vraiment super content. Donc voilà, je vous filme ça. Donc il n'y aura plus vraiment de plan avec le drone parce que j'ai plus de batterie avec la télécommande. Donc ça, c'est bête. Et j'ai plus aussi de batterie avec les batteries. Donc ça, c'est j'ai tout simplement oublié de les charger, donc je suis vraiment désolé, voilà. Ne vous inquiétez pas, il y aura des plans avec la GoPro, voilà. Donc voilà, bah là il est actuellement, regardez. Il est actuellement 22h04. Donc il commence à faire tard, voilà.
Je sais pas si vous voyez derrière moi, ça moissonne. Voilà, vous voyez la lampe là-bas. Ça moissonne du blé, je crois. Voilà. Donc voilà, la nuit vient de tomber. J'ai mis mon pull parce qu'il commence à faire quand même froid. Donc là, ça moissonne encore. Donc là, on va tout simplement, remplir la benne de 16 tonnes que vous voyez juste derrière moi. J'espère que vous la voyez. Donc voilà. C'est vrai qu'on voit le soleil se coucher. C'est quand même pas mal stylé. C'est vraiment cool. Alors là, c'est parti. On va dételer la coupe. Donc c'est parti. Parce que tout simplement, l'humidité est en train de démarrer. De commencer à venir. Donc voilà, ce vlog se termine ici. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis on se retrouve. Dans les prochains pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.